Ok, alors salut à toutes et à toutes les amis. Je suis venu ici pour faire une petite pêche à l'aimant. Il fait froid, comme vous voyez là, il y a encore de la neige, hein. Franchement, il fait encore assez froid, mais ça va avec l'aimant. On va dire que je me réchauffe assez vite. Pour le moment, j'ai fait qu'un seul lancer. Un lancer, et regardez, hop, j'ai fait la petite barre de fer. La barre de fer, les barres de fer, on en fait beaucoup. J'ai fait des lancers ici, là, dans ce coin-là, là, juste là, là. Et il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, les gars, il n'y a pas grand chose. Donc, je vais essayer de m'éloigner plus un peu par là, là, plus par là, voir un peu ce que ça va donner. J'espère que je vais remonter d'autres choses parce que sinon, ça va pas être terrible cette affaire. Mais donc, écoutez, les gars, je vais continuer un peu et je vous reprends après. Salut! Bon, les gars, au bout d'une dizaine de lancers, là, je me suis acharné parce que. Honnêtement, je remontais que dalle, je remonte que dalle. En plus, on est dans un beau cadre et tout. J'ai dit, oh non, je suis obligé de continuer. Et là, regardez, hop, à force de m'acharner, regardez, hop là, une grosse charnière de porte. Et ça, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et là, vous voyez la grosse charnière de porte là. Et ça, depuis tout à l'heure, je m'acharne, les gars. En plus, il fait froid, il recommence à neiger, mais c'est pas grave, rien que pour vous. J'ai décidé de continuer cette pêche à l'aimant. J'essaye de remonter un maximum de trucs. Si je remonte pas grand chose, je pense que je vous publierai quand même la vidéo pour que vous puissiez la voir parce que moi ça me tient à cœur. Même si je remonte rien et que je fais des sorties, de vous les proposer quand même. Bon les amis, je recommence, je refais quelques lancers et je vous remonte ce que je prends. A tout à l'heure. Bon les gars, je crois que je vais me déplacer un peu hein, parce que là depuis tout à l'heure sur ce coin-là, je fais du jeté mais c'est pas terrible là, je vous dis, à part la barre de fer. À part la barre de fer de tout à l'heure, la charnière de porte et le bout de ferraille là, j'ai pas travaillé grand chose. Donc je vais essayer de me déplacer, d'aller un peu plus loin là. Je vais essayer d'aller par là, essayer d'aller un peu plus par là, là vers les arbres un peu. Je vois que ça fait une petite pente. On va essayer d'aller voir. Il y a un petit centre de sport aquatique à côté. On sait jamais. On peut peut-être essayer de faire une trouvaille là-bas. Je vais essayer. Je vais en même temps en profiter pour faire ce que je fais d'habitude sur toutes mes vidéos, même si je prétends pas être un youtubeur ni quoi que ce soit, mais c'est le moment pour moi, les gars, de vous remercier. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir quand vous regardez mes vidéos. Je vous assure que ça fait vraiment plaisir parce que j'ai pas l'impression de me déplacer pour rien. Je remercie plus spécialement mes abonnés, normal, car vous me suivez. Vous qui n'êtes pas abonné, qui regardez les vidéos, également merci à vous. Je tiens à vous remercier aussi parce que. Le peu de vues que je fais sur mes vidéos, ça me fait super plaisir et c'est ce qui me motive à continuer et à venir vous proposer des pêches à l'aimant, même quand il fait froid comme ça. Pourtant, je vous garantis que c'est pas évident, mais pour vous, c'est mieux. Vous êtes derrière un écran à la maison. Enfin, bref, les amis, bon, écoutez, je vais me déplacer là-bas, comme je vous ai dit. Si je fais des découvertes, tant mieux. Si j'en fais pas, tant pis. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, comme d'habitude, je vous reprends pour vous saluer et vous dire au revoir, car j'y tiens. Les amis, je me déplace. Je fais des lancers. Et si je remonte des choses, je vous les montre. Sinon, on se reprend pour se saluer comme d'habitude. A tout à l'heure, les gars. Bon, les amis, je vais tester ici. Je vais tester ici. Là, avant, les péniches, elles pouvaient venir s'amarrer là. Là, comme je vois, comme je sais pas si vous allez voir là, mais regardez. Là, avant, il y avait des sortes de pontons aussi pour les péniches, mais ils sont cassés. Donc, les péniches, à mon avis, elles viennent plus se poser ici. Elles viennent plus au niveau des autres ponts là-bas. Donc là, ça y est, là, je me suis déplacé, j'ai ramené l'aimant. Je vais faire mes quelques jetés, comme je vous disais. Je vais jeter là. Et si je remonte des choses, bien évidemment, je vous les montre. De toute façon, c'est le but, je suis venu ici pour ça. Donc les gars, allez, à tout à l'heure. Bon, les gars, je me plaignais que j'attrapais rien. Puis regardez, au final, je viens de faire une de ces barres. Une de ces barres de fer là, mais c'est bizarre parce que regardez là, juste là. Juste là, regardez. Vous voyez? Hop. Je vais essayer de vous la montrer en plus grand. Allez, je l'ai attrapée par ici avec les mains. Juste là, comme ça. Et elle est plus grande que moi. Et je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, il y a l'air d'avoir une poignée au bout. Donc je ne sais pas trop à quoi. Je sais pas trop à quoi ça peut vous servir. Écoutez, hein, c'est toujours une trouvaille de plus à vous montrer sur la vidéo. Hein. Ok les gars, bon, je vous la remontre une fois. Bien évidemment, elle restera pas là parce que je tiens à préciser que moi, tout ce que je fais à l'aimant, je l'emmène. Bon, les gars, je refais quelques derniers lancers parce qu'il commence à faire vraiment froid.
Je vous assure les gars, il commence à faire vraiment froid, ça commence à cailler sec. En plus, il commence à reneiger un peu, mais bon, ça, c'est pas vraiment grave. Donc je vais refaire quelques derniers lancers rien que pour vous les gars. J'espère refaire quelques autres trouvailles parce que là, à part deux barres de fer et une charnière de porte, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Donc je refais quelques lancers derrière là sur le secteur que vous voyez là, sur ce spot là. Allez les gars, à tout à l'heure!